Ça s'est passé à Tamalat et Insinan, deux localités maliennes situées dans la région de Ménaka, non loin de la frontière avec le Niger. Plusieurs dizaines de morts parmi les civils et les combattants du MSA, le mouvement pour le salut de l'Azawad. Ils ont été ciblés par des djihadistes selon le MSA. Les assaillants sont des membres de l'État islamique au Grand Sahara, un groupe affilié au groupe État islamique. La situation dans la région est inquiétante. Écoutez Moussa Agh Acharatouman, secrétaire général du MSA et porte-parole du cadre stratégique permanent. Il répondait aux questions de notre correspondante à Bamako, Anne-Fleur Lespiau. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas la première fois qu'on s'en prend à des populations civiles le long de cette frontière. Il y a eu les cas de Ouattagouna dans le cercle d'Ansongo, il y a eu Tessit, il y a eu le pays des Armaganda, il y a eu la zone de Tilia. Dans toutes ces zones-là, malheureusement, c'est toujours la même organisation qui a massacré sans distinction des populations civiles. Je dirais que la particularité à Tamalat, c'est qu'ils se sont opposés à une farouche résistance de l'IMSA qui était présent là-bas, ensuite de Gatia et d'autres mouvements alliés aussi qui se sont joués à nous par la suite. Et grâce à notre intervention, nous avons quand même pu sauver la vie à des milliers de civils qui étaient là. Et cette situation aussi a provoqué un déplacement en masse des populations qui étaient dans le village de Tamalat pour aller un peu plus au nord vers les cercles d'Ineka. Mais dans la zone de Inchinanen et d'Adramboukan, une bonne partie des populations sont encore sur place, même si la paix quand même règne dans cette zone-là. Je tiens aussi à remercier les forces de défense et de sécurité maliennes pour la première fois qui ont pu quand même intervenir avec un hélicoptère qui a pu faire des frappes, notamment au site d'Inchinanen. Nous étions dans les besoins et le fait que l'armée vienne à nos secours, je pense que c'est quelque chose qui doit être salué et encouragé. Je tiens à préciser que sur le terrain, il n'y a que les mouvements qui sont présents. L'armée est à Ménaka, même si elle a intervenu par les airs. Et notre souhait, c'est que bien évidemment, l'armée puisse se déployer dans ces zones-là. Sinon, autrement, on a beau fournir des efforts au Mali, si au Niger, les mêmes efforts ne sont pas sur place ou au Burkina ou dans d'autres zones, ça va être extrêmement difficile. Et c'est ce qui rend la tâche facile à cette organisation qui se permet de massacrer les populations dans la zone des trois frontières. Et je profite de votre antenne aussi pour solliciter non seulement l'appui des autorités, mais aussi de toutes les organisations internationales pour venir en urgence à l'aide de ces populations. Parce que malheureusement, lors de ces attaques-là, il y a des femmes et des enfants aussi qui ont été touchés. Et aujourd'hui, toutes ces familles-là sont dans des difficultés, ils ont tout perdu. Et il y a vraiment urgence à ce qu'on puisse leur venir en aide par rapport à notre nation, le Mali, et pour que l'État, c'est-à-dire, puisse exprimer sa solidarité, son soutien et sa compassion avec ces populations-là. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est dans les moments difficiles qu'on doit se souder et se donner la main, éventuellement regarder tous dans la même direction.